up les gens de l'internet, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec vous aujourd'hui en compagnie de la fameuse, la fantastique, la fabuleuse Audrey Québec. Comment vas-tu? C'est très bien, toi? Moi, ça va magnifiquement bien. Et aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play Faction sur iFaction, ça, les amis. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu plus les concepts, la série, qu'est-ce qu'elle va reprendre, comment ça va se dérouler, etc. Et puis, on va aussi parler de la faction, du serveur et aussi de ma chaîne YouTube que toute l'année 2015. Donc, c'est vraiment une vidéo à pas manquer, les amis, jusqu'à la fin. Donc, let's go, c'est parti. Donc, les amis, premièrement, dans Let's Play Faction, je vais être accompagné de ma chère co-animatrice qui va être Mademoiselle Julie. Si vous savez pas c'est qui, c'est l'amour de ma vie. Donc voilà, bisous bisous bisous. Donc c'est ma copine. Et puis on va faire dans le fond les vidéos ensemble comme on faisait avant. Et puis qu'est-ce qu'on va faire, c'est que on va toujours être les deux animateurs dans le fond, comme des co-hosts. Elle va être mon co-host. Et puis qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des invités. Donc par exemple moi 007, Audrey ou d'autres personnes comme ça qu'on veut, moi et elle on va choisir. Ou simplement vous des abonnés qui vont faire partie de l'émission avec nous. Parce que les amis, en 2015 je veux faire en sorte que le truc devienne plus une émission qu'une série de let's play. Donc en gros je veux vraiment interagir avec vous. Je veux vraiment qu'il y ait une histoire disons derrière ça. Et puis ça va, j'espère que ça va révolutionner un peu les Let's Play Faction en France. Et bien du moins je l'espère, parce que bon, disons que en ce moment, à part faire des pillages, la décoration et tout, il n'y a rien d'intéressant vraiment vraiment. Donc voilà, c'est ce que on va essayer de faire. Moi j'ai essayé de trouver des trucs intéressants. Donc vous allez avoir deux épisodes par semaine, ou trois, je suis pas sûr, peut-être trois par semaine, des épisodes vraiment bien travaillés, les amis, qui vont être vraiment travaillés de fou. On va être accompagné, comme j'ai dit, de Julie, plein d'invités, on va travailler sur plein de trucs, ça va être vachement 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 cool. Et puis bien entendu ça va se passer seulement sur ce serveur-ci. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc à chaque épisode dans le fond il va y avoir le commentaire du jour. Donc aujourd'hui dans les commentaires en ce moment, essayez d'être le top comment du jour. Vous me dites n'importe quoi, ça peut être n'importe quel sujet. Puis nous on va choisir un top comment du jour qui va gagner un kit. Donc qui va gagner un kit, par exemple Audrey gagne un kit. Bon boum, elle a gagné le commentaire du jour, elle gagne un kit build. C'est elle qui l'a choisi parce qu'elle voulait le kit build. Donc voilà. Ensuite ici, tous les épisodes je vais ouvrir une lucky clé ultra. Donc une lucky clé ultra c'est quoi? C'est une lucky clé qui vous donne dans le fond des kits à vie, des trucs comme ça. La clé coûte 4, je sais pas combien est le prix sur la boutique, mais de toute façon la boutique est même pas encore ouverte, donc je sais pas exactement. Et une clé normale ici comme ça, donc que je vais vous donner, et puis que je vais ouvrir dans le fond, et puis qu'on va pouvoir gagner des trucs. Donc on a gagné 32 bouteilles d'XP. Donc voilà, on a eu des trucs de merde, mais bon, je vais pas faire le let's play sur mon compte où je suis OP, je vais faire le let's play sur le compte Icons QC. Donc le compte qui appartient aussi à juste moi, je pense, ouais. À moi, puis aussi, ben, à Icons Girl qui a son compte Icons Girl. Donc voilà, tout ça, on a des beaux pseudos comme vous avez vu. Et puis voilà, on va refaire ça comme avant, les amis, j'espère que ça va vous faire plaisir. Donc proposez-nous des idées, qu'est-ce que vous voulez voir dans notre premier épisode. Et puis aussi, d'ailleurs, ben, le commentaire du jour, essayez d'être le commentaire du jour, les amis. Donc voilà, parlons maintenant un peu du serveur. Donc l'ouverture qui était juste magnifique, les amis, on est combien en ce moment? On est presque 200, donc il manque environ personne, il y a environ 20 personnes sur le hub, là, je dirais. Donc ouais, on est 200 à peu près en moyenne, les amis, depuis le début de l'ouverture. Donc à l'ouverture, on était 350 sur 350. Bon, il y avait un petit peu de personnes dans le hub, donc je dirais peut-être 400 personnes de connectées. Disons 380 pour pas être trop OP. Donc 380 personnes qui essayaient de se connecter ou qui étaient sur le serveur. Ça le lag, ça le crash, mais on a réussi à régler les problèmes, mais on n'avait pas alloué assez de RAM à notre machine sur le serveur faction et sur la machine du serveur hub aussi. Donc voilà. Donc là tout ça a été corrigé. Maintenant regardez, il y a 200 joueurs et ça lag pas du tout, pas une miette. Bon, c'est sûr qu'il y a des petits butchers des fois à faire comme ça pour essayer que ça lag moins, mais inquiétez-vous pas, ça va être fait assez régulièrement. Donc niveau ça, il y a des petits problèmes aussi du niveau du e-cube, etc. Il y a des petits problèmes, je vais vous expliquer ça bientôt dans une vidéo qui va sortir juste à propos du e-cube. Même chose, tous les plugins que vous comprenez pas ou que je vois que des personnes ont de la difficulté, on va tout expliquer ça dans des vidéos différentes. On va vous montrer plusieurs exemples, plusieurs trucs, on va vraiment bien faire ça. Ça va être comme des tutoriels dans le fond. Et puis j'espère que ça va vous faire plaisir. Donc ça va arriver au courant de la semaine, le temps qu'on corrige le problème avec le plugin de IQ. Même chose pour le plugin iMod, il y a des petits problèmes encore, mais on va vous l'expliquer quand même à vous les joueurs pour que vous compreniez c'est quoi vos sanctions par exemple. Dernier truc les amis, donc il y a une nouvelle IP, donc j'ai mis les nouveautés ici. Donc recrutement guide le 9 janvier sur TeamSpeak, il va y avoir une genre de réunion, vous allez pouvoir venir poster votre candidature et tout, bref. Sinon vous pouvez toujours envoyer votre candidature à l'email qui est donné dans le chat. Donc c'est iFactionZ@commercialhotmail.com, je crois. Une nouvelle IP, donc comme je l'ai dit, pvp.ifactionz.net est maintenant actif. Ouverture officielle qui a eu lieu aujourd'hui, le site sera bientôt disponible. Donc pour l'instant les amis, il n'y a pas de site, il n'y a pas de boutique pour le serveur. Pourquoi? C'est très simple, c'est qu'on veut permettre de rembourser tous les gens qui avaient acheté à la version 1.
et aussitôt que on a la boutique, aussitôt que le site est fini de développer, on va pouvoir le mettre sur le serveur. Sinon, il aurait fallu ouvrir le site un peu plus tard en janvier, et c'était pas mon but, je voulais vraiment vous l'ouvrir le plus vite possible. Déjà qu'on vous a fait retarder avec la faction contre faction, on a aussi décidé de le mettre de côté pour l'instant, mais inquiétez-vous pas, quand tout ça va être mis en place, les amis, vous allez kiffer sa mère sur le serveur. J'espère que vous allez vraiment venir. J'espère même que si vous êtes... Même si ça vous intéresse pas en ce moment parce qu'il n'y a pas les duels de faction ou il n'y a pas encore le site, venez quand même farmer, venez essayer quand même de jouer, parce que vous, si vous prenez quelques jours de retard, vous allez définitivement retarder pour essayer de gagner, retardateur, excusez-moi, pour essayer de gagner les 100 euros, les 75 et les 50 euros pour le classement des trois factions les plus peuplées. Donc pour le compte premium que j'ai gagné, je fais comme what the fuck, il a gagné un compte premium, mais chelou. Et puis donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Je voulais aussi vous remercier les amis pour l'année 2015 qu'on a vécu tous ensemble les amis. Au début de l'année j'avais à peine 900 abonnés je crois si je me souviens bien. Et puis maintenant on est rendu déjà à... Non j'avais peut-être 1000 abonnés, 2000 abonnés. Et puis on est déjà rendu à 10 000 de plus. Donc on approche des 12 000 abonnés, c'est juste un truc de fou les amis. J'espère qu'avec ce nouveau let's play on va pouvoir se rendre encore plus loin. Ça va être vraiment un let's play vraiment magnifique. Vous allez voir, ça va être plus comme une émission de télévision que vous voulez pas rater à tous les jours. Ou tous les soirs ou peu importe comment ça, quel temps que ça passe. Donc voilà. Dans le prochain épisode, je vais vous parler des cédules, donc il va sûrement une cédule vraiment bien précise, donc exemple le mercredi, le vendredi, ou je sais pas, une autre date au hasard, là, disons dimanche, il y aura des épisodes, enfin vous voyez, j'ai vraiment trouvé un planning exact, pour exact, et puis cadrer ma cédule de live entre tout ça, et puis j'espère sincèrement les amis que vous êtes chaud patate pour 2016, parce que pour ma chaîne YouTube, ça va envoyer du lourd les amis. On va essayer d'avoir l'épique VIP sur Epicube, c'est un peu un de mes buts en 2016, et vous, c'est quoi vos résolutions, vos buts de... sur YouTube, sur Minecraft, dans l'in-game, bien entendu, parce que bon, mes buts réels, c'est pas vraiment d'avoir un grade sur un serveur, mais in-game, c'est un bon but d'avoir les 20 000 abonnés pour essayer d'avoir le grade sur Epicube. Donc voilà. Même chose pour mes lives, j'espère un jour avoir l'accès, le bouton Twitch Partnership, où est-ce qu'on peut faire, on peut avoir, payer pour des émoticons et tout, vous voyez ce que je veux dire, genre on peut avoir des émoticons de Twitch et tout. So, ça, c'est mes deux buts pour le serveur, et puis voilà. So, c'est tout ce que j'ai à vous dire, je crash en ce moment parce que je viens de me faire... T2S, ou peut-être c'est juste le TS qui s'est fait down. Non, je pense que le serveur aussi le crash. Donc je vais aller juste dans un monde solo, vite fait. Donc je vais juste aller dans un monde solo. Voilà. Je vais aller sur ce spawn-là, juste sur le fond ici. Donc voilà. Merci à tous d'avoir écouté la vidéo, les amis. J'espère que vous allez me dire dans les commentaires vos résolutions pour 2016. Vous allez aussi me dire ben, le top command du jour. Qu'est-ce que vous voulez voir sur le Let's Play Faction. Et puis moi, je vous embrasse très très fort, les amis. C'était Conz, le Pikachu de l'Internet. Bonne journée.